Bah, allez, hop. Ça. Et puis on va continuer la campagne. Tac. On va continuer la campagne. Allez, hop. Ah oui. Hop, hop, on fait ça. Action en cours, vas-y, vas-y, connecte-toi. Ok, bah, campagne, hein. Nu. Ok, ça c'était à ça. Il y a encore deux autres trucs qu'on n'a pas fait. Opération chaos, on a ça, on a ça, on a ça. Ok, pas de circus. Caché dans confidentiel. Caché, SGQ. Ah d'accord. Unlight. Tout, hop. Donc ça c'est bon, nulle part où aller, Kassim, et tac tac. Ok, cinématique, ouais, ouais. Bon, on avait tout fait, hein. Reprendre la mission, ouais, reprendre, hein, de toute façon. On veut savoir ce que Perseus prépare avec cette bombe. Park, on n'a rien d'autre dans les papiers que Bell et Woods ont rapporté de la base. J'y vois le nom d'un site d'excavation dans l'Oural, au mont Yamantao. D'après notre agent au KGB, c'est une opération active. Le Yamantao. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur. Ouais, on en était là, on arrivait juste là en fait, avec les échos. Spider. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Mason. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Connerie. Tu sais que personne d'autre peut faire ce boulot. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouvez l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Belikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. À dire vrai, il vaudra peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus veut au Yamantao, mais je le veux plus. Le premier bâtiment se trouve juste après cette crête. Merci Dimitri, on se recontacte quand on aura trouvé l'ordinateur. Woods. Allez, c'est parti. Tu sais ce que le KGB fait aux agents doubles? Non? Sans le KGB n'existe plus. Ah, s'il gagne cette saison, je sourirai même au peloton d'exécution. Hey, j'ai juste une heure de carburant. Après ça, tu devras te trouver un autre taxi. On se met en route, Mason.
Ouais, c'est parti. C'est lui notre taupe. Ne te laisse pas berner par l'odeur de vodka et de caviar au rabais. Le major Dimitri Belikov, c'est du sérieux. Attends. Paramètres, audio. Baisse un petit peu le son. Voilà. Il sait où tous les cadavres sont enterrés. Dire qu'il en a enterré la moitié. Allez, c'est parti. Attention, des éclaireurs sur la crête. On la joue furtive, Mason. Ouais, t'as un expert en discrétion. Je suis un putain d'oignon, Mason. Tu devrais le savoir. Belle exécution. Pas mal. On avance. Moi, il a suffi d'une balle, hein. Toi, t'en as mis deux. C'est nul. Sont trois. Tu t'en fais un, moi je prends l'autre. Belle exécution. Il y en a encore un, je crois, non? Merde, j'aime pas ça. Mais bon, si c'est bon pour les cocos. Passe devant. Et voilà. J'ai venu connu. Utiliser. J'espère que ça va tenir. Allez, youpi! Youhou! Ouais, c'est trop facile. Bon, bah toi. Hop. En plus, on voit, ah, on voit bien la balle en plus. Bah, sniper, il est mort. Merde, on avait un autre là. Ah non. Ouais d'accord, il y a eu un petit bug. Ok, donc faut que je tue bien. Donc celui qui est là, on le flingue. Bien joué. On voit d'autres. On continue. Lui, on le down. Lui, adieu. Toi, adieu. Normalement c'est bon. Du coup, ouais. Voilà. Te fais pas repérer. Ouais, le sting. Joue la discrétion. T'es un peu en retard, toi. Je les ai tous tués. Ah. Salut. Hein? Joli. Continue. Oui, j'ai dit, hein? J'ai vu un gars là. Il doit se dire. Bon, on va essayer de voir si on a pas des trucs cachés là. Ah bah voilà une preuve déjà.
ça, ils préparent l'ordinateur pour extraction. Site de fouille numéro 7. Carreau d'arbalète. On dirait qu'Edson s'est bien amusé ici. Ah, c'est pas ce qu'il te dirait. Voilà, hop. On vérifie. Il y a plein d'autres trucs encore. Grâce aux preuves que je découvre, en fait, j'améliore. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Ils ont un peu mal à la gueule, ceux-là. Et là. Et là, il n'y a plus rien. Allez, hop. Ok, on se taille de là. J'ai même pas regardé. J'ai même pas fait gaffe. Abruti. J'ai même pas fait gaffe où je marchais. Oh. Elle est où? Bougez! Non mais... Y'en a un qui s'est fait gorger là ou quoi? Ah quand même, troisième. Bon bah. Sont morts, hein. Voilà le bunker. On approche de la salle de l'ordinateur. On va traverser sur ce câble. Les rouges sur l'hélipad. Vaudrait mieux les abattre avant de traverser. C'est bon, j'ai déjà fait. T'es un peu en retard, toi. Pas d'autre là? Non. Y'en a pas un qui se cache quelque part, quoi, j'aurais pas vu, hein. Aïe. Mason, quelle est ta situation? Oh yeah. J'ai perdu mon putain de flingue. Je suis au couteau. La prochaine fois, tu passes devant. Je vois un tunnel ici. Tu devras trouver un autre moyen d'entrer. Bien sûr. Attention. Wood. Ah, yes. Couteau. Voilà, je vais me faire un couteau. On m'appelle le boucher. Alors, on vérifie toujours s'il n'y a pas des trucs. Alors. Alors. Je suis bien là. Hop, hop. Je voulais ouvrir. Merde, ça caille là-dedans. Ils ont un peu gelé, eux. Arrête, ils vont... Imagine, ils reviennent à la vie, les zombies.
Возможно, после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что? А. Иди, лайк, твёрдо. Ouais, mais ils sont deux. Ah, je peux pas faire mon truc. Voilà, on va rester là. Hein. On va attendre qu'il passe. Ah non, mais... Non, mais ils viennent là, en fait, c'est con. Ah mais c'est quoi, ils viennent vraiment là? Pas d'armes. Un pauvre couteau. Ah mais ils viennent vraiment. On va se mettre là. Hein. On va attendre. Passe. Ils sont barrés. Oui, ils sont barrés. Non. Là, ils sont toujours là. Bon, et il se barre ou... Ah, voilà. Faut se la jouer, infiltration en Splinter Cell. Mais non, mais tu m'as... Je sais pas qu'on va rester 3 heures comme ça. J'ai qu'un couteau et des grenades. Deux grenades. Pas grand chose, moi. Allez, barrez-vous. Ah, je sais. Discrétion, hein, tu peux... C'est verrouillé. Ah. Caisse de casier d'armes. En fait, je pense que j'aurais pu réussir à... À passer discreto, ça. Non. Mais personne ne l'a, la clé. Nope. Attends, on va... Ah, là, c'est peut-être un peu mieux. Pour le moment, j'ai joué un peu au couteau. Ah non. Pas loupé.
Je m'appelle John Rambo. Et ceci n'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre, mon colonel. Tu veux récupérer des flèches ou pas? J'ai loupé. Bah alors. Lui s'est pris une flèche dans le cul. Ah, loupé. Mason, tu me reçois? Mason, tu me reçois? Ouais, je te reçois. Tu dois pas être loin. Bon, on va regarder un peu les corps là. Peut-être un truc. Eh les gars, j'ai tout fait à l'arc, quoi. Je les ai tous tués avec l'arc. Bon, je me suis pris 2-3 balles, mais bon, ça peut arriver. Les risques du métier, on va dire. Pas de rien. Ah, ramasser la clé. Ah, je parie que ça ouvre ce casier d'armes. Eh ben voilà, allez, hop. On se dépêche. Non, c'était là. Ouais, dis-moi ce que j'ai comme arme. Je peux pas prendre d'autres trucs, donc j'ai ça, allez hop. En plus non, peut-être qu'on va garder le couteau et je... merde, you et là on va garder le couteau et je vais prendre. Voilà, on va se faire à discretos. Avec revolver couteau. Qui dit mieux? Personne? Oh merde. Ah mais ils respawnent tous. D'accord. En fait, ils respawnent tous, les mecs. Ah, attends, je vais peut-être faire un truc. Hop, viens là, toi. Loupé.
Moi, je suis avec mon couteau et mon revolver. Et je suis en train de niquer tout le monde. Je crois que c'est par là, hein. Non. Par là. Ah, c'est là. On descend. Youhou! Je ramène quelques minutes. Waouh! Alors, il est où l'autre? Il est là. Hop là! Il est nul. Oui bah ils sont partout en fait. Personne? Ok. Ils sont... Ah bah je l'ai eu. Si je le dis. La tiro. Voilà, je suis nul. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il avait fail out. C'est bien là, mec.
Oula, t'es pas vu toi. Ah, l'outil. Heureusement que l'outil était là pour me ralentir. On peut descendre par où? Regardez si j'ai des trucs là vite fait. Et je peux de soit descendre par là, je pense que je peux descendre de l'autre côté. Attends, c'est quoi ça? Des verriers. Ah, des stimulants. Grenade à fumigène. Stimulant. Ah, ça, c'est pas mal ça. Salut Finger, comment ça va? Oh, attends, moi je vais descendre par là, moi. Il est grand cet ordinateur. Parce que s'il est trop grand, on pourra pas le soulever. Là, j'ai quoi là? J'ai rien. Ouais, il fait la taille d'une baraque, quoi. Oula. Non, mais qu'est-ce que tu crois, toi? T'es où? Tu me tiens dessus, mais je te vois pas. Ah, t'es là, toi. Oups. Oups. Alors, donc on va passer par là, là, j'avais dit, hop. Il est grand cet ordinateur, parce que s'il est trop grand, on ne pourra pas le soulever. Descends, descends. Non, il est d'une taille normale. Voilà. Ouais, je me suis fait tirer d'où, hein. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y avait contact. Bon, je regarde s'il n'y a pas des autres trucs, moi, dans le coin, en attendant. Des trucs cachés. Nope. Ouais, ouais, bah, ok. Allez, c'est parti, on attache le machin. Aïe, qui s'est m'attiré dessus là? Attention là-haut! Le poids n'arrange pas trop nos affaires! Voilà. Désolé. C'est la guerre. Je fais tout péter! Chacun son boulot, hein, comme on dit. Ouais, il me reste beaucoup de balles là. C'est bon, Dimitri, ramène-nous. Voilà, une mission rendement réussie. 4 jours plus tard. Personne. On
On analysait l'ordinateur que Mason et Woods ont ramené du Yamantaou. Et Perseus cherchait les noms des agents dormants qui bossaient pour Dragovitch en 68. Donne-nous les noms. On va envoyer l'équipe d'Adler sur leurs traces. Perseus les a effacés. Et merde. Il ne reste plus qu'un seul endroit où trouver cette information. Le bâtiment de la Loubianka. Attends, le QG du KGB ? Pourquoi Perseus n'est pas allé les chercher lui-même ? J'en sais rien. Peut-être qu'il agit sans autorisation. Je vais prévenir Adler, mais faut faire ça dans les règles, ou pas le faire du tout. Bon bah, on va aller braquer le KGB. Enfin, j'ai réussi. Ah, on le doit essayer. Viens de me prévenir. Belikov est de retour à Moscou. Vous connaissez le plan. Belle, avec moi. Lazare, prépare-toi pour l'exfiltration. Tu l'amènes au KGB avec toi ? T'as perdu la tête ? Attends plutôt le retour de Mason ou Woods. J'ai pas besoin de Mason ni de Woods. J'ai besoin de Belle. Il a les compétences qu'il nous faut. Ça t'amuse ? Tu mets en péril toute l'opération inutilement. C'est pas inutile. C'est parfaitement calculé. Sache que si tu te plantes sur ce coup, on peut dire adieu à ces noms. Terminé. Belle, je sais que tu peux le faire. Hudson ne fait pas confiance aux gens qu'il ne peut pas contrôler. Ouais. Hudson, je l'aime pas, lui. Lazare. Truc à discuter ? Non. Pour les armes. Park. Salut toi ? Non. Adler. Non. Sims. Non. Hudson. Tu vas essayer de me convaincre de te laisser diriger cette opération ? Ah, mon expérience parle elle-même, des années sur le terrain et dans les services de renseignement. Je suis un élément clé de l'équipe. Et voilà, ta gueule. Et j'aimerais connaître les raisons de ton manque de confiance. Et on va demander ça. Pour te la faire courte, tu n'as pas le bon profil pour cette mission. J'espère que tu vas me prouver à quel point je me trompe. Ça ne concerne que les intéressés. Et autant que je sache, tu n'entres absolument pas dans cette catégorie. Ok, même pas. Avec lui et écouter Adler. Pourquoi ne pas simplement demander Belikov de nous fournir les noms et devrons-nous établir de fausses identités ? Demander à Belikov. Négatif. S'il fouille dans la base de données confidentielle du KGB, il va se griller et gâcher des années de travail. Il vous fera rentrer, mais il n'approchera pas de cette liste de noms. Ce serait trop long de vous préparer ça maintenant. Belikov vous trouvera des uniformes, et de là vous devrez improviser. Okay. Stratégiquement parlant, c'est quasiment de la folie. C'est donc exactement une mission taillée pour les compétences d'Adler. Tu seras soit le meilleur atout d'Adler, soit de la chair à canon. C'est sympa. Non. Oh. C'est une excellente idée. Dégage, Hudson. Moi, je t'aime pas. Ok. Alors, il y a plein de trucs. L'opération que j'ai fait, ah oui, ça c'est nouvelle preuve, ok, Volkov, ça c'est mission suivante, ça je l'ai pas encore fait, ça j'ai fait, ça je l'ai fait, ça c'était machin, Rupture Joe, ok, opération Red Circus, détecter les preuves. On dirait un rapport partiel envoyé à Moscou sur les activités des agents. Ça devrait réduire notre liste de suspects. Le dernier rapport de Birdie de Lady indique que le vote au Parlement s'ouvrira bientôt.
Il pense avoir assez d'influence pour convaincre les autres de se rallier à lui. Strongman craint d'être surveillé. Il suggère au KGB d'intervenir. Juggler craint de perdre la prochaine élection. Il recommande des mesures actives contre ses opposants. Et... Ce registre trouvé dans l'appartement de Kraus pourrait contenir des indices sur l'identité des agents principaux. Apparemment, Kraus n'était qu'un intermédiaire financier. Avec tout ça, mais on n'a pas encore assez de preuves pour... pas encore assez de preuves. Je pense qu'après, parce que l'autre, c'est inspecter les preuves. Il en manque une cachée dans... On sait pas. Et là, j'aurais dû le faire avant. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, de toute façon, on va partir là, mais avant, je vais faire un pissouille, moi. Ah, et attends, ça c'est quoi, ça? Les échos d'une guerre froide. Ah oui, non, mais ça c'était fait. Et l'épreuve. Circuit intégré. Bande magnétique. Photo. Tac. Et en fait, j'ai tout. Et, ok. Voilà. On partira sur ça, mais avant, moi je voulais faire un pissouille vite fait. Allez hop, c'est parti. Bon, je pense que je suis bientôt à la fin. Hein. Ah, Russelandler et Bell, aidés de Dmitri Belikov, responsable de la sécurité, ont infiltré le bâtiment de Lubyanka dans l'espoir de mettre la main sur des informations ultra confidentielles du KGB. Et l'épreuve, photo de Dmitri Belikov, ok. Photo du bâtiment du KGB. Caméra de surveillance. Ok. Ok. Et bah c'est parti. Et c'est parti, on va infiltrer le KGB. L'immeuble de la Lubyanka, le siège du KGB à Moscou. Les dossiers des agents dormants se trouvent aux archives à une trentaine de mètres sous terre dans un bunker anti-atomique destiné au commandement. Le seul accès au bâtiment, c'est cet ascenseur haute sécurité. Il faut qu'on réussisse à entrer, et ça c'est le rôle de notre gars infiltré Belikov. Belikov est notre source au KGB depuis bientôt 10 ans. On peut compter sur lui. Il nous a bien aidés au Yamantao et il nous aidera encore. C'est complètement dingue, même pour lui. T'es sûr qu'il est avec nous? Face à une menace nucléaire immédiate, tous les risques valent le coup. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Sims, contacte Belikov. Bah c'est parti. Bonjour, ici Belikov. Désolé, je croyais que c'était l'ambassade de Singapour.
Alors, la ligne est désormais sécurisée, tu es là ou Adler, mon ami? On est presque arrivé au tunnel. T'as pu accéder au bunker? Non, il y a un problème, il soupçonne la présence d'une taupe et ont élevé le niveau de sécurité ou je me charge de tout, fais-moi confiance. On va quand même jouer un peu la sécure. Mais je vais vous décloter la clé du bunker. Pas encore, mais je sais que tu gères la situation. Et tant que j'y suis, un de nos informateurs de Berlin-Est a retourné sa veste et rejoint Moscou. Il y a des chances pour qu'il soit à la Loubianka aujourd'hui. Il sait trop de choses sur notre réseau à Berlin. Alors je pensais à une retraite anticipée. Bien, je comprends pourquoi Hudson te respecte autant. J'aurais dû le buter, l'autre. Quand tu auras récupéré la clé du bunker. Camarade Belikov, vous êtes demandé dans la salle de conférence à l'étage. Le secrétaire Gorbatchev du comité central est venu pour vous voir. Oh, on va voir Gorbatchev. Oh, cool ça. Là, j'ai fait un petit tour dans mon bureau avant. Salut. Ouais, c'est là-haut. Moi, je vais faire un petit tour. Va bien. Administration. Pas entrer. Bon, on va pas attendre, faire attendre Gorbatchev. On va y aller quand même. Camarade Belikov, asseyez-vous. Le secrétaire général Brejnev s'est intéressé depuis peu aux questions relatives à la sécurité. Zakaev. Il y a une taupe au sein du KGB. Le comité veut que quelqu'un de la première direction générale supervise l'enquête du colonel Kravchenko. Vous le connaissez peut-être. Voici Imran Zakaev. Ah, Zakaev. Merci, secrétaire Gorbatchev. Et merci à tous pour votre accueil chaleureux. Je crois qu'il n'y a rien de plus dramatique qu'un proche trahissant sa famille. L'amour et la confiance Kravchenko sont sacrés. Apparemment... Tout le monde n'a pas l'air de partager vos bons sentiments. Camarade Belikov, à la tête de la sécurité... Zakaev, on retrouve encore lui. Pour essayer de ce petit fils de pute est encore là. Suite aux interrogatoires de Kravchenko, je n'ai plus de suspect. Perdant nanana... On va faire comme ça. Je n'ai aucune patience, Belikov. Ni aucune compassion. Jusqu'à ce qu'on attrape la taupe, je veux qu'on renforce la sécurité autour du bunker. Zakaev, avez-vous des recommandations? Restreindre l'accès au bunker. J'aimerais aussi connaître plus personnellement chacun de vous. Je veux connaître vos envies, vos peurs, vos ambitions. Étudiez tout, mais je vous demanderai tout de même de ne pas tout chambouler. D'après vous, Belikov, à qui devrait-on laisser l'accès au bunker pendant cette enquête? Alors, monsieur, vous devriez choisir un homme de confiance pour conserver la clé. Zakaev et moi devrions garder la clé du bunker. Je pense que seuls les généraux devraient conserver une clé du bunker, chef. Allez, on va laisser à Gorbatchev.
Ah non, attends, Zakaev et moi-même devrions garder la clé. Comme ça, moi je récupère la clé du bunker. Et ouais, mais après, seuls les généraux devraient conserver une clé du bunker. C'est un peu compliqué parce que si je laisse Zakaev et moi avoir la clé du bunker et que la clé du bunker je la file à l'équipe de la CIA, s'ils arrivent à s'infiltrer tout va bien, mais s'ils se font repérer, il y a une chance sur deux que je me fasse avoir. Soit je demande à Gorbatchev de laisser choisir la clé du bunker, un homme de confiance. Seuls les généraux, je pense que seuls les généraux devraient conserver une clé du bunker. Oh, on va laisser ça. Sage décision, camarade Belikov. Je préférerais que seul le général Charkov garde sa clé du bunker. Vous vous en occupez. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà pris soin de faire récupérer les clés du bunker auprès de tous. Camarade Belikov, le danger est grand face aux capitalistes. Nos valeurs et notre façon de vivre sont attaquées. Le traître sera débusqué. Et il paiera le prix fort pour sa trahison. Belikov, vous pouvez disposer. Donc c'est Charkov. Donc c'est encore mieux, c'est que c'est même pas moi qui l'ai. Et du coup, si c'est Charkov, on peut peut-être réussir à l'accuser. Et ouais, donc du coup, notre taupe, c'est-à-dire moi qui joue le perso, je peux rester encore dans... utiliser la clé, la carte du KGB pour enquêter sur les divers moyens d'obtenir une clé du bunker. La carte du KGB est mise à jour au fur et à mesure que vous explorez et découvrez des informations utiles. Ouvrez d'abord votre carte et localisez la salle de contrôle. On me surveille. Il me faut la clé du bunker, mais d'abord, je dois couper les caméras. Alors, salle de contrôle, désactiver les caméras de sécurité avant de chercher un moyen d'obtenir la clé. Ok. Monsieur ? Faites attention aux personnes proches dans vous. Cette zone est interdite. Si on me voit ici, je peux faire une croix sur ma couverture. Fais dodo. Il faut que je camoufle le corps. Ah bah on va le mettre là. Fais de l'eau. Ah, les caméras sont désactivées. Pour Adler. Il en aura besoin pour accéder au coffre. Malheureusement, c'est Charkov qui est la seule. Alors.
Ouais, toi, c'est-à-dire. Si j'avais une des cartes magnétiques, désactivée de l'armurerie, l'ordinateur de la saisie de la pour les reprogrammer en clé de bunker. Alors, on va récupérer les trucs. Ouais, peut-être je te l'ai dit qu'on allait faire porter le chapeau à l'autre. Belikov, avez-vous débusqué ma taupe? Peu importe. Nous avons mis la main sur des communications non autorisées. D'ici quelques heures, nous saurons de quel ordinateur elles proviennent. Pas si je trouve la taupe en premier. Camarade. Ah, je serai bientôt exposé. Je devrais pouvoir trouver des preuves contre Charkov dans la salle des serveurs. Belikov, avez-vous débusqué ma taupe? Non, pas encore. Camarade. C'est que je voulais bien savoir un truc, c'est Attends, on va aller parler aux prisonniers. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Non. Donc, je peux pas encore. Et donc pour la clé du bunker. Ok. Qui que tu sois, je te dirai que dalle. Alors, écoute-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai besoin de ton aide, tu crèveras ici, mais tu pourras au moins te venger. Ouais, non. Mon aide? Tu veux mon aide? Garde ta salive. Ah, dossier. Pourquoi tu m'as dit de quitter? J'ai pas dit de quitter, moi. Ivanov refuse de coopérer. Mais non, mais... Fais chier. Ah ouais. J'ai trouvé quelque chose d'incriminant dans les archives. Voilà. Je sais pas pourquoi l'autre, il m'a fait... C'est ça que je voulais, moi. Ah ouais, mais je peux pas. Ivanov refuse de coopérer. Fais chier. Je dois trouver quelque chose d'incriminant dans les archives. Ok. Ouais, donc en fait, j'ai... Ouais, donc j'ai passé... J'ai fait le truc du prisonnier, donc... ça a annulé la mission là. Alors attends, je rentre par où, moi? Ok.
m'envoie, on m'accusera de trahison. Faut que je piège le général Tcherkov. Il faut attendre que l'autre il s'en aille. Tu vas aller ? Non, il est toujours là. D'accord. Ah là là là. Ok, j'ai compris. Carte mise à jour. Donc, ok, en plus j'ai compris où il fallait que je le fasse. Donc, persuader le prisonnier, récupérer les trucs. Hop, on est venu coller. Bon, maintenant il faut trouver. J'ai peur, ce con. Je voulais faire dans l'étal, mais... dissimuler le corps. Dissimuler le corps. Ah, désolé. J'ai loupé. C'est pas ce que je voulais faire. Désolé, camarade. Bon. Alors... Je dois récupérer les preuves. On saute dossier. De toute façon, ça sert à rien, l'auteur. Alors. Voilà. KGB a déjà prévu d'enlever sa femme et sa fille. C'est bien. Servir de ça. Pour envoyer un agent après qu'on ait au cours de la semaine, demander à Tcherkov de parler aux prisonniers. Ok. Hop. Salut. Je ferme toujours la porte, comme ça c'est fait. Tu veux dire celui où il s'enfuit avec le majordome ? C'est avant. Bon, maintenant on va reparler aux prisonniers. J'ai lu le dossier, le KGB a l'intention d'enlever ta famille, ok. Quoi ? Qu'est-ce que ma famille a à voir là-dedans ? Pas le menacer, mais le persuader. Menacer, fais ce que je te dis, sinon ta famille va souffrir, ou alors je persuade
en disant que je peux assurer la sécurité de ta famille. Ça vaut mieux jouer la persuasion. Oui, tout ce que tu veux, pitié. Voilà. Ce que je dois faire. Je disais. Ok. Le tuer. Je vais essayer. Mais promets-moi de ne pas toucher à ma famille. Ok. Belikov, je viens d'apprendre un truc hilarant. Je te raconte ça dès que j'ai terminé ici. Camarade, comment va notre ami? Je ne sais pas, monsieur. Il n'est pas décidé à parler. Ah, on lui fera changer d'avis. Citoyen Ivanov, vous êtes bien à l'aise dans vos quartiers? Attention, on a un problème dans la cellule. Bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Tcherkov, il ne reste plus qu'à récupérer sa clé de bunker. Récupérer la clé du bunker sur le cadavre de Tcherkov. Alors, il y a un truc qui... Ah ouais. Oui, monsieur. Bon, maintenant, direction le sous-sol pour faire entrer l'équipe d'Adler. mais du coup... Ouais, ok, j'ai compris. En fait, c'était plusieurs... On avait plusieurs trucs. Soit toi je tuais Tcherkov grâce à l'aide du prisonnier. Soit j'utilisais les preuves et je falsifiais pour pouvoir j'ai Tcherkov, il reste plus que rien. Et du bon capitaine, rendez-vous dans la prison et faites entrer l'équipe d'air. Ouais, donc il y avait plusieurs types. Soit je le faisais tuer donc par le prisonnier, soit j'allais dans son bureau et il était empoisonné, soit bah, je récupérais, je discutais avec lui pour récupérer les infos comme quoi ils avaient une taupe et je modifie tout et j'aurais fait passer Tcherkov comme quoi c'était lui la taupe. Ouais, en fait il y avait plusieurs solutions. Là, c'est pas mal ça. Bon bah j'ai fait le truc le plus simple hein. Hop. Il y a plus cher pour vous, monsieur. Pas de problème. C'est normal. Moi, je me barre comme ça. Il y a un mec qui est mort et je me barre. Regarde s'il n'y a pas des trucs par hasard. Nope. L'équipe d'Adler aura besoin d'uniformes pour passer les contrôles. Je peux résoudre le problème en attirant deux soldats dans les tunnels. Ici Belikov, envoyez la sécurité à ma rencontre dans la chaufferie, sur le champ.
J'espère être tes nouvelles. J'ai pas vraiment le choix, je crois. Cette carte donne accès au bunker via l'ascenseur. Et pour les uniformes? Ça arrive. Chut, on dirait qu'ils arrivent. Ok, je vais leur parler pour les distraire. Chargez-vous du reste. Belle, plante-toi. Fais attention. On ne veut pas de sang sur les uniformes. Regardez, j'ai trouvé une porte déverrouillée. Ce genre de manquement à la sécurité est inexcusable. Vous êtes censé respecter nos protocoles à la lettre, est-ce bien clair? Ok, je dois y aller. Vous devriez avoir ce qu'il vous faut. Donc si besoin, vous dépendez du commandant Sommel. Change-toi. Commandant Sommel. Ok. D'un camarade. Une fois dans le bunker, on sera tout seul. Normal, on a buté deux mecs. On passe tranquille, la sécurité, comme si c'était rien. Camarade, ça t'embête pas qu'on passe là? Pas de problème. Attention, détecteur de métaux, on va faire le tour. Qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde doit passer par le point de contrôle. Nos ordres viennent d'en haut. Passez par le point de contrôle. Placez votre sac sur le comptoir pour inspection. C'est pas vraiment nécessaire. Laisse-nous passer. Surtout, ne le prenez pas pour vous, camarade. On m'a ordonné d'inspecter tout ce qui passe sans exception. Camarade, Zakaev vous demande. Je m'en occupe. Je vous remercie, camarade. C'est pas trop tôt, Belikov. Eh bien, je suis là, non? En avant. Ah, ouais, d'accord. Ok. Je suppose que si on... on avait fait d'une autre façon, il n'y aurait peut-être pas eu autant de sécurité et on aurait peut-être réussi à passer tranquillement. Bon, c'est pas grave. Bah, de toute façon, si on avait accusé Tcharkov là, ça aurait eu la même chose. Donc, soit empoisonné, mort ou c'était l'autre, ça aurait fait la même chose. Donc, il y aurait eu autant de monde en fait. Ah, ça cave. Des nouvelles têtes. Vous êtes là depuis longtemps?
Ah, bien sûr. Rappelez-moi le nom de votre supérieur. Commandant Sobald. Quelle coïncidence. J'ai justement rendez-vous avec lui. Je n'hésiterai pas à le saluer de votre part. C'est de ce genre de connard qu'il faut qu'on se méfie. Prends ça. Bon, est-ce que la mission va bien se passer ? Ils vont pas nous accueillir à bras ouverts. À mon signal. Tac, tac. J'ai oublié de recharger. Bah si, ils l'ont bien pris. Bon, en fait, il n'y a pas des trucs que je peux récupérer là. Nope. Pas mort toi ? Bon, y'a toujours rien là. J'ai pas eu de... Dépêche-toi de placer le gaz. Alors, Allez bon, à la chambre forte. On est presque à la chambre forte. Désolé. Bon bah voilà, c'est fait. Alors on va chercher hein.
Alors, Mainwald, Gunderson et Denson. Les agents dormants. On a Denison, Manvand et je sais quoi, Sanderson. Ok. Dragovich. Cadre est refusé. Copier sur la disquette. Ah oui, encore 10%, 13%, 14%. Ouais, je sais pas où tu veux sortir. Bon bah voilà. On avait dit que ouais, Madison et tout ça là. Ouais. Je sais pas si on a vraiment un vaisseau avec ce que s'est passé. On a flingué la moitié des agents du KGB quoi. Ouais, mais ils viennent d'où en fait, les mecs? Ça, le. Faut trouver la sortie. Ah ouais, la sortie, c'est bon. Merci mes amis. Comment ça se passe là-haut?
Ils sont en alerte. Ils verrouillent tout l'immeuble. Va falloir qu'on les repousse. Avec du matos plus lourd. J'ai pile ce qu'il te faut, l'ami. Ouais. En même temps, je regarde si je trouve des trucs, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Krieg. Voilà pour vous. Il est par balle, casque, allez, belle. Pas... Non. Pas rien pour nous, en fait. Ah si. Oh non. Sérieux? Oh yeah. Mastodonte. Me dis pas que j'ai la grosse sulfateuse. Toujours son paquet de cigarettes. Rayo. Sérieux, on est en train de faire un massacre. Là, ça fait penser à la mission de Modern Warfare 3 là. Avec l'attaque. L'attaque de l'aéroport. Allez hop, on se casse là. On a foutu un peu le boxon. Allez, pop. C'est bon, on a la liste. Ouh! Tiens-toi prêt à bouger. Mieux que Mission Impossible. C'est pas trop tôt. J'attendais ton appel. Ils ont foutu un beau bordel à Moscou. Ça valait le coup, moi. Adler a réussi à obtenir la liste des agents dormants, tant bien que mal. Mais il a du cran, on peut pas lui enlever. Ben, l'a assuré. Il semblerait. Mais j'ai peur que l'équipe se relâche un peu trop. On dirait qu'ils mesurent pas bien à qui ils ont affaire. Peut-être. Il s'avère qu'un de ces agents dormants a un lien avec l'opération Greenlight. Theodore Hastings, un ingénieur nucléaire basé à Salt Lake City. Et tu crois que c'est Hastings qu'il va activer? Absolument. Il est déjà activement surveillé. C'est juste une question de temps avant qu'il nous conduise tout droit à Perseus. Enfin le dénouement. Je crois qu'on est bientôt à la fin.
Bientôt à la fin. On est bientôt à la fin. C'est ça qui est bien. On y est. Les récents déplacements des Stings nous ont conduits ici. Cuba. Ah, Cuba. Juste à côté de chez nous. Perseus a transformé un bâtiment désaffecté dans l'arrière-pays cubain en base d'opération. C'est sûrement là qu'il cache la bombe volée. Castro a dû donner le feu vert. Je file 20 bifetons à celui qui l'allume avant moi. Qui ? Castro ou Perseus ? L'un ou l'autre. Pas question de le laisser faire entrer la bombe sur le sol américain. Il est temps d'en finir avec Perseus. Une bonne fois pour toutes. Allez, on finit ce qu'on doit finir. Une fois lancé, plus de retour possible. Essaie de pas faire trop de folie là-bas. Ouais, c'est ça, t'as ma garantie complète siette. Lazare. Nope. Hudson, brouillé téléphone. Park. Non. Park, un petit verre. Non. Woods. T'as l'air prêt. Réveille-toi, c'est la recrue d'Adler. Belle. Alors, il s'est passé quelque chose avec Fidel. Toi aussi, tu as pourchassé Perseus Soviet. Tu sembles bien calme malgré la gravité de cette mission. Bon, attends, on va lui demander ce qui s'est passé avec Castro. Non, mais tu déconnes. Ah, le lance pas là-dessus. Non. Une seconde, je vais mettre les choses au clair. Et c'est parti. Ouais, Castro et moi, il y a comme un vieux parfum de rancœur entre nous. J'ai eu l'occasion d'abattre le type, mais l'info était bancale. Ça a déclenché une tornade droit jusqu'à Washington. Alors si j'apprends que Perseus est en cheville avec Castro et qu'Hudson devait découvrir une de mes balles logée dans le crâne de Fidel, eh ben, on n'aura qu'à parler de dommages collatéraux. Oh, ça a duré moins de 5 minutes. Je m'attendais à beaucoup plus long. Non, on traquait une autre menace dans Kessan. Ah, oh, mais oui. Notre équipe était à côté de celle d'Adler quand on a atterri à Hue. C'est aussi la première fois que j'ai eu le malheur de rencontrer Hudson. Depuis tout ce temps, rien n'a changé. Le gars a toujours autant de personnalité qu'un putain de torchon sale. Ah, yep. T'entends ça? On est des légendes. Ouais, où qu'on aille, on fait un sacré boucan. Merde, arrête un peu tes conneries. T'avais l'air assez blasé dans la fausse ville américaine. À moins que tu sois en train de parler de Mason. En chair et en os. Qu'est-ce que tu cherches en disant ça? Ça a l'air de t'inquiéter. Si t'essaies de nous charmer... Tu t'y prends vraiment comme un manche. Ok. Oh, on se fout de ta gueule. Je sais pas pourquoi, mais je le savais. Bon bah du coup, la dernière question. Tu sembles bien calme malgré la gravité de cette mission. Ouais, t'as pénétré dans le KGB avec Adler. Pirater leur base de données était toujours en vie. Et moi, je pourrais compter sur mon petit pote. Et si j'étais Perseus, j'irais me planquer dans une colline. Et moi, je demanderais une frappe de mortier sur cette colline. Oui, pour Adler, c'est le résultat de 3 décennies d'une traque méticuleuse. Il risque d'être un peu sur les nerfs pendant cette mission. Je te conseille de te concentrer. Évite la nostalgie. Bien. Alors c'est bon. Ok. Ouais. À plus, Belle. À plus, les potos. Bon, personne là. Ok, c'est un truc. Est-ce que je peux faire une mission secondaire ou pas?
Attends, parce que là... Le dernier rapport de Birdie Lady indique que le vote au Parlement s'ouvrira bientôt. Il pense avoir assez d'influence pour convaincre les autres de se rallier à lui. Mesure désespérée. Oh, attends. Mesure désespérée. Il s'est passé quoi là? Ok. Il y a une déco. Il y a une déconnexion là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter et relancer. Du coup, on va reprendre. Pas trop tôt. J'attendais ton appel. Ils ont foutu un beau bordel à Moscou. Ouais, c'est bon. Ok. Disponible. Ouais. Donc là, c'est bon. Bon. Allez, hop. Ah, on peut parler à Hudson. Bouge pas. Dépêche-toi, allez, je suis occupé. C'est rien de le dire. Notre infiltré a vraiment fait du bon boulot. Quant à toi, sache que notre exigence principale, c'est de surpasser toutes les exigences possibles. Alors, puisqu'il faut bien le dire, bienvenue dans l'équipe. Enfin. Mais j'aime pas lui. J'ai pas pour habitude de donner mon avis personnel sur des membres de l'équipe à des subordonnés. Autre chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on découvre une bombe nucléaire à Cuba? A, c'est l'agent Azoulay. On n'a pas choisi Lazare pour son charisme. C'est un spécialiste du désamorçage. S'il ne peut pas désactiver la bombe, vous devrez quand même la sortir de là. Et prenez un slip propre. Négatif. Même en comité réduit, Perseus peut nous sentir venir et tenter de bouger. Vaut mieux être peu dans ce cas de figure. Ok. On n'aura jamais mieux que ça. Le monde du renseignement a passé des années à tenter de localiser Perseus avec précision. Ce type traverse les années comme un vrai fantôme. Rien ne pourrait me faire plus plaisir en ce bas monde que de savoir que c'est toi qui l'as arrêté. Le projecteur est dans le coin si jamais tu veux revoir certains détails du briefing. C'est bon. Ouais. Ok. Non, bah hop, allons-y. Mais de toute façon, je crois que c'est fini. Peut-être la fin. Ouais. Photo de percée, des Mersen Black. Théodore Hastings.
Ouais. Ça se voit que ça a sauté, c'est pas grave. C'est ma mission. Allez hop. Ouais, du coup, on est mission finale. Hastings a quitté Salt Lake City. Nous l'avons traqué jusqu'à Cuba. Perseus y a probablement transféré la bombe. Langley pense que Castro va aider Perseus à introduire la bombe aux États-Unis, en échange d'un coup d'œil sur le matos, bien sûr. On va l'en empêcher. Quel est le plan ? La dernière trace d'Hastings est à 50 km au sud. Ouais, c'est pas là. On soupçonne Perseus d'utiliser un complexe abandonné pour... La crise des missiles de Cuba. Ils veulent rester discrets, la sécurité sera modérée. Ouais, c'est la crise des missiles de Cuba, ça. On va franco. On se parachute, on prend la bombe, et puis le Skyhook. Et si la bombe n'est pas là ? Elle y sera. Perseus n'a qu'une seule raison de faire venir Hastings à Cuba. Préparer la bombe pour l'armement et la détonation. Voilà. Hudson va arranger notre exfiltration pendant le trajet. Si tout le monde est prêt, on y va. Adler a du retard. Non, c'est nous qui sommes en avance. Adler devrait arriver dans tout juste... Park, on est en position. Bien reçu. On bouge sur le flanc. À toutes les équipes, on va frapper vite et fort. On trouve Hastings, on prend la bombe et on se tire. Woods, allume-nous tout ça. C'est pas trop tôt. Go, go, go! Bah ouais, c'est parti. Je pensais qu'on allait se la jouer discrétion, mais non. C'était bon. Allez, l'autre il a fail avec sa grenade. Encore, hein? Bon, voilà. Hop là, une petite glissade. Oh, t'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Ah, ils sont où? Là je les vois pas moi. Ah bah t'es juste là toi. Attention, sur les côtés. Faut que je recharge. Bah, y'a encore des mecs là. Bah ils sont où? Il en manque un. Dans le viseur. Oula, loupé. Voilà. Bon bah il reste plus beaucoup de balles là. Ouais, j'y vais avec le petit pistolet quoi. Mais qu'il est fou.
Ok, je crois qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que ces pauvres gens ont pu faire? Ils ont terminé leur mission. Sacrée récompense. Ouais, quand même... ça, hop. Charcha, ça peut toujours servir. Grenade. M4. Dispersez-vous, trouvez la bombe. Regarde, ils ont des caméras en circuit fermé. On pourrait s'en servir pour localiser la bombe. Bien vu, Park. Toujours aussi ingénieuse. Dispersez-vous, trouvez la bombe. Bon, il faut essayer de voir si... On peut trouver... Non. Désolé. C'est tout calme d'un seul coup. Restez vigilants. Pas de preuve. Ouais, c'est mieux. D'accord. Tout le monde va bien ? Ok, il y avait une mine. Belle, cherche les mines. Après, je sais pas. Ah, c'en est pas une, ça. Voilà. Putain, je regarde s'il y a des preuves, des trucs comme ça. Ah, ils ont foiré. Ouais, bah je peux faire changer le plan. RPG quoi. Bon bah. Non. Là, elle a rien du tout. Voir si je peux passer de l'autre côté, moi. Eh ben non. Logiquement, là, j'ai fait un peu de ménage. Apparemment, non. C'est bon. Je me déplace. J'ai lance-roquette sur le balcon. Je vais me mettre à couvert. Et où? J'ai pas de pression. Il est où lui? Ah, il est là. Ça c'est fait. Ça tire où? Dessus. Bah, si tu me laissais enfin de payer un verre quand tout ça sera fini. J'admire ta persévérance, Lazare. Bon, les grenades là, c'est bon. Bon, bah voilà.
J'ai pas de preuve, rien du tout encore. Bizarre. Ah, je crois qu'il y avait rien dans la mission là, je crois. Je sais plus. Bah, vidéosurveillance. Et... Mason, t'en as loupé un derrière le plan de travail. Merci, Park. Voilà. Cherche encore. Là. Attends. Adler, on a un visuel sur la bombe nucléaire. Putain. Quelqu'un est en train de tuer les scientifiques. Premier étage, salle 27B. Ok. Au premier étage, la salle centrale. On y va. On se retrouve là-bas, Park. Pas très subtil, mais efficace. N'as pas du regard, hein, Park. Toujours rien. Bell utilise le C4. Tac tac. Oula, ça fait mal. Adler, on passe au premier étage. On est coincé. Avancez, on vous rattrapera. Ça joue commando. Toujours aussi fiable. Rien d'autre là. Cocktail Molotov, bon ça peut toujours servir. Je bouge. T'es pas assez protégé toi. Normal. Attends, je regarde si elle a des trucs. Hop, bordel, je l'ai vu en dernier celle-là. Ouais, j'ai pas vu venir celle-là. Il faut sauver le soldat. Voyez, couvrir-me.
Je t'ai pas tué, toi. Bon. Est-ce qu'on peut passer par là pour un autre truc? Merde, désolé. N'abandonnerait jamais sa précieuse bombe. Il nous a fait reconfigurer les codes d'activation. Il a l'accès total à Greenlight. Quoi? Vous voulez dire que Perseus peut faire exploser plusieurs bombes en Europe? Je suis... désolé. Hastings, accrochez-vous. Combien de bombes nucléaires Greenlight peuvent faire exploser Perseus avec ses codes? Il peut faire sauter... toutes les bombes. Il va raser la moitié de l'Europe. Non. Attends, hop. Ok, bon, on est parti. On va encore sauver l'Amérique. Oh, attends. Hop, déjà ça, je recharge. Je recharge. Qui me tire dessus là? Bon bah allez, c'est bon. Je crois que j'ai sauvé un des scientifiques là. Mais j'ai pas vu ce que c'était comme Merde.
Une seconde. Concentre-toi, Lazare. C'est quoi? Dès qu'on sort de là, c'est moi qui t'invite. Avec grand plaisir, Skycook. Bien reçu. On vient vous aider. Oh, yes. Bon vieux AC-130. Ça va se finir. Ah ok, donc tu peux en protéger qu'un. Ah c'est nul ça. Eh bien, c'était un fiasco retentissant. Tu te bases sur les infos que tu as, pas sur celles que tu cherches. On a payé les pots cassés là-bas. Tu crois que c'est la faute de Bell? J'en sais rien moi qui la faute. Tout ce que je sais, c'est que Perseus a pas juste une bombe nucléaire. Il en a des dizaines. Des millions de personnes vont mourir. Et on accusera les États-Unis. Il faut que tu trouves l'endroit d'où ils comptent émettre le signal d'activation. Comment on va sortir de ce merdier? Bell pourra tenir ça. Bell? Ce putain de projet scientifique est un échec. N'oublie pas Adler aussi vite. Il a toujours de la ressource. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va retomber sur moi. Allez, un peu plus loin. Sims, le brancard. Je fais un petit peu mal au point. Apparemment. Bell. Je te revaudrai ça. Oh. Oh, bordel. C'est pas seulement Lazare qu'on va perdre si on ne réussit pas parfaitement le coup suivant. Tu vas devoir t'accrocher pour une dernière mission. Je compte encore sur toi, Bell. Sims. J'ai sauvé parce que je veux mon verre. Oublie rien. Adler, arrête de nous faire perdre un temps précieux. Il ne servira plus à rien maintenant. Attention, Ben. On a besoin de toi pour arriver à ça. Ça a toujours été. On arrête de jouer. On tente une injection intracérébrale. Une injection dans le cerveau peut provoquer des convulsions. Ou pire. Merde! Par l'orbite? T'es sûr de toi, Doc? Les souvenirs vont remonter rapidement. Bell, écoute-moi. Il faut que tu te souviennes. Je veux que tu repenses au Vietnam une dernière fois. On doit finir ce qu'on a commencé. On avait un boulot à faire. Oh, donc ça veut dire que j'avais des trucs? Et je me suis souvenu de certains trucs, mais... Attends, j'ai perdu la mémoire, ou un truc comme ça. Allez, Bell, Perseus.
Est-ce que tu te souviens avoir rencontré Perseus au Vietnam? Le CG monte en flèche. Merde, le rythme cardiaque explose. Détends-toi et concentre-toi, Abel. Ton hélico s'est écrasé. Tu as traversé la jungle en solitaire. T'as trouvé un bunker. Tu te souviens du bunker, Ben? On a besoin de savoir ce qu'il y a dans ce bunker. Des zombies. 9. Ne fais pas confiance à Adler. Adler te ment. Ne lui fais pas confiance. N'écoute pas Adler. Il te ment. Cherche la vérité. Ne fais pas confiance à Adler. Tu étais à la recherche d'un potentiel bunker soviétique et ton hélicoptère a essuyé des tirs. D'après ton rapport, tu as repris connaissance en pleine fusillade. Les survivants du crash se battaient contre les Viet. Tu as couru et ramassé un M16. Peut-être une autre arme. C'est la guerre. C'est la guerre. Wesh. Pète de partout ici. Ah, ils sont partout, hein. Dans la forêt. C'est là que tu as remarqué que personne n'avait survécu. Et tu as repris la recherche du bunker. Je suis seul au monde. Dernière fois, c'était dans un film. Il y avait Schwarzy qui était tout seul et se battait contre une grosse bébête, un Predator. Dis pas qu'il y en a un aussi là-dedans. À la bifurcation des ruines, tu as emprunté le chemin de droite et pas l'autre. Tu me dis que j'ai pris celui-là, mais pas l'autre. De celui-là, moi. Qu'est-ce qu'il y avait, l'autre ? C'est la même, je sais pas. Bon, tu sais quoi l'autre? Il me dit j'ai pris là mais j'ai pas pris celui-là. Et en fait j'ai envie de prendre celui-là. Voilà. Et viens là toi.
vient ou il vient pas? Là, si je le prends, hop, je le tue là, et clac, je suis devenu connu. Mais bon, pas l'air de vouloir me suivre. Bon. Bon, apparemment, faut que j'aille là. La tyrolienne était le meilleur moyen de revenir à la grotte. Tu voulais atteindre le bunker le plus vite possible. Je sais pas, mais... fais tout le contraire. Belle, fais demi-tour et rejoins le bunker en tyrolienne. Ah. Ok, bon, bah du coup, je suis obligé. Pourquoi il y a un truc de Lénine? En fait, en train de faire l'inverse de ce que je dois faire du scénario, mais j'ai trouvé un truc. Bon bah là c'est bon, hop. Putain, mais c'est des... J'y peux... Tu mens, Belle. Raconte-moi vraiment comment tu as rencontré Perseus. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Une crise légère. Sims... tu peux me passer la benzodiazépine? Le programme de contrôle mental de la CIA fonctionne plutôt bien avec les souvenirs implantés. On doit faire notre boulot. Mm-hmm. Augmentons la dose et essayons le 1B. D'accord. Prête. D'après ton rapport, tu as repris connaissance sans le reste de ton équipe. Les Viettes étaient à la recherche de survivants. Tu as saisi ton arc pour les éliminer discrètement. Oh. Thank you.
Ok. Bon bah, discrétion est un peu ratée. Bon bah, je suis tout en train de les tuer. Il n'y a pas de dire bye bye. Donc j'ai fait tout ça avec un arc. J'ai trois flèches quoi. Sur des ruines, tu as emprunté le chemin de droite, et pas l'autre. Attends, on va passer le chemin. Je sais pas pourquoi, mais je le sens qu'il faut que je passe par là. Les snipes ils étaient pas là. Ouais, il faut vraiment que je passe. Et là, il faut que j'aille là. La tyrolienne était le meilleur moyen de revenir à la droite. Tu voulais atteindre le bunker le plus vite possible. Ouais, mais non. Belle, fais demi-tour et rejoins le bunker en tyrolienne. Oui, mais non. Fusillade, tu as sorti ton M16. On a donné un coup dans la fourmilière. On a besoin d'un soutien aérien. Bien fait, l'hélico est en route. Arrivé dans 2 minutes. Hop là. Toujours vérifier s'il n'y a pas des trucs. On ne sait jamais. Hey chicken. Vois bien ce que j'ai fait.
ce soir c'est poulet. Vérifie toujours moi si j'ai pas les trucs. Apparemment non. Pour de la menace neutralisée. Je sais pas d'où tu viens, mais tu nous as sauvé les miches. Bon, on va continuer, hein, on va se promener. Rien. Toi, t'as rien là. Rien ici. Ok. C'est l'entrée du bunker dont tu parles dans le rapport. Un labo? Ça me paraît bizarre. Mais elle est dans le labo? C'est bizarre. Ok. Et je te parie que Belle, nous, on est Perseus. On crée plus que ça. Redler. D'accord. Ça fonctionne pas. Je lui injecte 1 ml d'adrénaline. C'est ça, Belle. C'est ce que tu cherchais. Perseus était là. Back, Sins, Adler, ouais là c'est moi. Et les interrogatoires classiques n'ont rien donné. Il faut créer une confiance qui repose sur une histoire commune pour ton sujet. On doit faire mon boulot. Une autre dose. On va continuer à rejouer le scénario 1. Belle, on doit faire notre boulot. Je le déconseille vivement. Je m'en fous. On recommence encore. D'après ton rapport, tu as repris connaissance en pleine fusillade. Les survivants du crash se battaient contre des Viettes. Tu as participé au combat avec un lance-grenade. C'est vrai que c'est même plus des Viettes, c'est des Russes maintenant.
Ouh, j'ai un peu mal là. Qu'est-ce que les Russes font là en fait? Normalement on est au Vietnam, il n'y a pas de Russes, c'est les Vietcong. Ouais, j'ai ma mémoire qui est complètement bousillée quoi. Comme d'hab, je suis le seul survivant. Voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a... je rebalance dans ma mémoire, il y a des trucs en plus. À la bifurcation des ruines, tu as emprunté le chemin de droite, et pas l'autre. En fait, il faut toujours prendre... Arrête de résister, Belle, va à droite. Reviens sur tes pas et prends le chemin de droite vers le bunker. Pour moi, il faut aller là, hein. Aïe. Franchement, Belle, tu n'as pas pu mourir en mission. À la bifurcation des ruines, tu as emprunté le chemin... Bon, on va prendre le chemin. On va prendre le chemin de droite. Une grotte de l'autre côté de la rivière parce que tu y entendais des voix russes. Non, Belle. Tu as trouvé le bunker en passant par la grotte. Ok. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, ça... ça a servi quand même. À l'heure... j'ai truc d'Adler. C'est bizarre, moi, je te dis. Tu as sorti ton fusil à pompe et préparé ton arc. C'est là que tu as vu des soldats Viet discuter avec des agents soviétiques. Normal. Bon. Alors, je vais finir cette mission là.
Voilà. C'est ça qu'on arc. Je me fous bien de savoir si la porte était coincée. Ouvre-la. Ça pourrait être fatal. Sa fréquence cardiaque est déjà... Allez, vite! Son rythme cardiaque s'emballe. Je ne sais pas combien de temps Belle va tenir. Wesh, qu'est-ce qu'ils m'ont enfilé comme dose? Ça a l'air d'être de la bonne. Voilà, mais j'ai la porte qui se... Aussi. Bon. Il y a un truc là ou pas? Il est 9h 4-3 on va dire. La drogue, c'est mal. Bon, attends, je vais faire pissouille, moi. Non, c'est pas bon, la drogue, les gars.
Du coup, j'ai une troisième qui vient d'arriver, d'horloge. Et alors ? Pire qu'un labyrinthe. Quatre fois. Y a un truc que je comprends pas là. Combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dès qu'on s'approche de quelque chose, camarades, les États-Unis et leurs alliés consument lentement. Perseus. Opération Greenlight. Tu me demandes ? On y va. Il nous faut absolument des résultats. Script 17. Prête. Belle, on doit faire notre boulot. Encore ? Oh. On a déjà vu tout ça. On peut passer à la suite. Ah ouais, c'est bien. La porte du bunker se trouvait dans les ruines, Belle. Tu l'as ouverte. Tu dois entrer dans ce bunker. Lentement tout ce qui nous est cher. Nos dirigeants plient chaque jour un peu plus sous cette menace. C'est le devoir moral de Perseus de riposter quand eux ne le font pas. Bientôt, nous posséderons une bombe nucléaire américaine.
la clé pour accéder à tout leur arsenal Green Knight. Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Green Knight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. J'avoue que je suis surpris. Son établissement a été rapide. On a tout essayé. Mais les interrogatoires classiques n'ont rien donné. Percer la volonté de quelqu'un et effacer sa conscience est un parcours difficile et douloureux. Un sacrifice nécessaire. Le programme de contrôle mental de la CIA fonctionne plutôt. Donc on était un soldat russe. Tu veux que je lui parle de mon expérience au Vietnam? Et enfin, il faut choisir une phrase de commande pour déclencher les souvenirs implantés. On doit faire une boulot. Tu devais atteindre le bunker soviétique. La programmation du sujet commence à s'établir. On doit faire notre boulot. On se connaît depuis des années. On a lutté, souffert ensemble. On a bravé l'enfer du Vietnam tous les deux. On doit faire notre boulot. La reprogrammation est complète. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Belle. Donc j'étais un soldat russe. Ils ont reprogrammé en tant qu'agent de la CIA. Il revient à lui. Belle, arrête les conneries! Qu'est-ce qu'a dit Perseus? Il est où? Alors, qui suis-je ou qu'est-ce qui m'arrive? Ce que tu vis là n'est rien comparé à ce qui t'attend si tu te décides pas très vite à coopérer avec moi. C'est faux, qu'est-ce que vous m'avez fait? Où se trouve Perseus? Qu'est-ce que vous m'avez fait? On t'a donné une seconde chance quand t'étais au fond du trou. Belle, on veut seulement que tu nous renvoies l'ascenseur. Belle, tu étais l'un des agents de Perseus. Son associé Arash Kadivar t'a lâché sur le tarmac en Turquie. Laissé pour mort. L'avion quittera Trabzon pour rejoindre Douga. Ça tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ses mercenaires ne quittera Douga en vie. Nous jetterons leurs corps dans la forêt, et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Mais j'ai d'autres projets pour toi. Perseus te tient en haute estime. Je n'aime pas la compétition. On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégénéré. D'accord, donc c'était la première mission, ça. Bon bah on va continuer, tu mens, vous m'avez foutu cette merde. T'es un produit de la CIA, Belle. On devait remplacer ton ancienne identité par une nouvelle. Sims et moi, on a opté pour la CIA. On s'attendait à une plus grande résistance de ta part. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie. Le plus difficile, c'était ta mémoire. Le programme MK Ultra de la CIA utilise les missions d'Adler au Vietnam comme modèle. Il fallait que tu connaisses cette expérience commune, ce lien du sang, pour avoir confiance. Je
Vous êtes une bande de dégénérés, je ne suis jamais allé au Vietnam. Si, quoi changer une vie? T'as les mains propres, Ben? Non, tu as de la chance. Tu n'as gardé ces souvenirs que quelques temps. Moi, je vis avec depuis plus de 10 ans. L'interrogatoire n'a pas marché avec toi, mais grâce aux recherches du MK Ultra, on avait un plan de secours. Si tu croyais être quelqu'un d'autre, on pouvait te pousser à nous dire tout ce que tu savais. J'ai pas l'impression. Tu nous caches encore des trucs, mais tu vas bientôt cracher le morceau. On doit faire notre boulot. On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Tes secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte de l'air. Belle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu nous détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi. Sauver le monde encore. Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment. Où est Perseus ? Bon, bah, je peux faire mensonge, Douga, l'antenne radar, Douga, et je parie que c'est les Russes qui gagnent. Ou alors, si je fais vérité, Slovensky, et tout le monde gagne, les gentils gagnent. On va dire la vérité, je sais pas du tout ce que ça fait si on choisit le mensonge. On verra après. Voilà, on va faire la vérité. Et du coup, je sais pas ce que ça fait si on... si on dit Douga. Perseus. Les experts de la CIA le considèrent comme la plus grande menace pour le monde libre. On vous a confié une mission importante. Celle de protéger notre mode de vie d'un immense danger. Les États-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Dans quelques heures, Perseus va déclencher des bombes nucléaires dans les plus grandes villes d'Europe. On ne reculera devant rien. Certains dépasseront les limites. Pour que les limites existent encore demain. On ne nous traitera ni de héros, ni de monstres. On est invisible. Quant à moi, je traque ce fantôme inlassablement depuis 13 ans. Ça suffit. Ouais, je pense que c'est la mission finale, ça. Tirer, percer des ondes.
Ok, en fait faut que je tire sur les tours. Je pensais que je pouvais tirer sur tout le monde, mais en fait non, c'est que sur les tours. Ok. Bon bah je sais. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Je crois que je vais avoir du mal. Moi. Bon, oh, j'ai du mal, moi, à viser. Oh non, mais t'es sérieux? Pas d'autres armes, quoi. Et bon, allez, pas, c'est tous les faire. Alors, ils sont où? Ah, il est là. Hop, hop, on fait un peu de ménage. Ah, faut un peu de ménage là. Voilà, allez, hop, 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 hop. Bon, bah, on va le détruire. On se place une charge. Ah, il est casse-couille, Hudson. Il avait contact.
plus. Hop, hop. Cours lui. On a le temps. L'électricité revient. Adler, tu vas te joindre. Good, on n'a plus le temps. Je vais dire à une seule personne. C'est un sacré pari si le canon n'est pas détruit. Attention, une mitrailleuse lourde sur la crête. Hudson, lance ton bombardement. Bien reçu. Fais sortir ton équipe, Adler. Les bombardiers auront aucune chance si on détruit pas le dernier canon. Mais oui, t'inquiète. Qu'est-ce qui quoi? Aïe. Aïe. J'ai mal. Prends le mini-mini. Bon bah voilà. Hop. Alors. Je l'ai senti passer moi celle-là. C'est bon, monsieur le président. Ils ont arrêté les bombes. Merci Dieu. Et merci la CIA. Ont-ils pris Perseus? Non, monsieur. On ne sait pas où il se trouve. Et du côté des Russes? Toujours rien. Ils ont l'air d'être dans la confusion la plus totale. C'est peut-être l'acte d'un franc-tireur. Perseus ne suivait sans doute pas les ordres de Moscou. Ah, c'est pas vrai. Il semblerait qu'on ait des points communs, finalement. Bah alors, c'est qui, Perseus? On l'a arrêté. Les tours sont détruites. Comment ça se passe en bas? Répondez! Woods, tu les as trouvés? Par ici! File-moi un coup de main! Prends ma main, Belle. On a réussi. Ce
Ceci est un message pour Perseus et ceux qui le suivront. On ne restera jamais assis, les bras croisés. On œuvrera pour le bien. C'est comme ça qu'on gagne des guerres, Belle. Et voilà. Du nouveau sur Cassim Javadi? Ouais. Après avoir capturé Cassim Javadi, on l'a convaincu qu'il avait plus intérêt à travailler pour nous que contre nous. La mort d'Arash Kadivar laisse un boulevard à Cassim pour prendre la tête du réseau. Grâce à lui, on y verra plus clair dans les activités soviétiques au Moyen-Orient. Et avec notre soutien, il devrait pouvoir peser vraiment sur les affaires régionales à l'avenir. Et Anton Volkov? Après sa mort, certains éléments à RDA ont vu une occasion de réduire l'influence de la pègre russe à Berlin-Est. Il y a 2 jours, la Stasi a fait une descente d'envergure en pleine nuit dans tous les foyers qui avaient un lien avec Volkov. Les hommes, les femmes et les enfants étaient tous partis avant le lever du soleil. C'est un sacré revers pour les activités soviétiques clandestines en Europe. Comment s'est passée l'opération de nettoyage à Havane? On a réussi à récupérer le corps de l'agent Azoulay dans le complexe à Cuba. Président Reagan va contacter personnellement sa famille, et son cercueil est en transit pour Tel Aviv. Comme tu le sais, Hélène Park est rentrée à Londres. Elle va se remettre de ses blessures là-bas. Après ça, le MI6 compte lui confier les rênes d'une équipe pour retrouver Perseus. Et pour le reste de l'équipe? Ils ont pu s'enfuir de Solovetsky avant que les Soviétiques envoient des troupes pour enquêter. On va panser nos plaies un petit moment, et ensuite on retourne au boulot. On a peut-être empêché Perseus d'agir, mais ses sbires continuent de rejoindre nos rangs, aidés par la Démétre. On a fini par attraper Aldrich, cet enfoiré. Mais le réseau de Perseus est toujours intact, et ils finiront par le remettre sur pied. L'Europe? On a peut-être évité une explosion apocalyptique, mais ça grouille toujours d'agents de Perseus. On aurait pu faire bien plus si on avait eu le temps. Et Belle? Ah, j'aurais dû te faire la mission secondaire. L'air de l'Arctique. Ça éclaircit les idées, pas vrai? Belle, t'as fait 2 sacrifices extraordinaires pour arrêter Perseus. Le premier sans le savoir. Mais le deuxième, tu as pris la décision de ton plein gré. Je tiens simplement à ce que tu saches que ce qui s'est passé entre nous deux, c'était pour le bien de tous. T'es une vraie légende, tu le sais, ça. Les héros, ça fait des sacrifices. C'est pour ça que quand je vais te demander un dernier, j'espère que tu comprendras. Ça n'avait rien de personnel. Ah. Aha. Bon bah voilà, hein. Le jeu est fini. L'histoire elle est pas mal, franchement. L'histoire elle est sympa, j'ai bien aimé. De toute façon dans les Call of Duty, tous les histoires ils sont... Et les modes campagne et tout, ils sont excellents. Autant il y avait quoi, passage rapide? Ouais, avancer rapide. On va voir ce qu'il y a.
qu'il y a une petite scène post-générique. Allez. La musique de fin, elle est sympa, je trouve. La petite musique de générique de fin, elle est pas mal. Oh, ça se finit pas ce truc là. Ok. Du coup, on sait pas si on a tué Adler ou si on est... Mais bon, Perseus, on sait toujours pas c'est qui. Mesure désespérée, ouais. Bon bah voilà, ça c'est terminé. Hein. J'espère que vous avez aimé ce truc. Hop. Bon bah, ça c'est fini. Franchement, j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé le mode histoire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et du coup, comme j'ai fini, hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Ouais, on va laisser comme ça pour YouTube. Du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous. Puis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, ciao à tous.